à remporter cette catégorie économie. Vous avez les réponses? Un connaisseur, on va dire. Oui. Alors, c'est qui? Fédaction. Fédaction, pour son investissement en faveur de la création de l'école des étoiles à Arum. Bruxelles est confrontée à une grave pénurie d'écoles à tous les niveaux scolaires. Cette association d'hommes d'affaires turcs a contribué à la création d'une toute nouvelle école, ouverte à tous, l'école des étoiles, en bordure de la chaussée de Hacht. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ému. C'est vrai? Oui, franchement. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont voté pour nous. Merci à Vlan Bruxelles, la capitale, Viva Bruxelles. J'ai pas l'habitude de prendre le micro, j'ai pas l'habitude du tout de sortir, de me mettre devant le public comme ça, surtout un public. Dites, alors, justement, un petit mot, quelles sont les prévisions? Qu'avez-vous en chantier pour 2013? Ben, pour 2013, qu'est-ce qu'on a? On a relevé un tout grand défi. C'est donc la continuité de l'école des étoiles, qui est une école primaire. Donc c'est une école secondaire. Donc nous avons commencé cette année et nous voulons vraiment donc, donner avec tous les entrepreneurs qui croient à ce projet. Notamment aussi, je vois beaucoup de personnalités publiques qui ont cru aussi à l'École des Étoiles, que je les remercie beaucoup devant tout ce public-là. Merci, je voudrais qu'on applaudisse encore une fois. C'est à vous. Merci 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 beaucoup. Merci beaucoup et bravo.